la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il ne s'agira pas de la motivation au ménage, mais plutôt une soirée relaxante avec moi. Donc, je vais plus vous filmer quand les enfants seront déjà partis au lit. Ça sera juste très relaxant. Vous avez été nombreux à me demander d'autres styles de vidéos à part le ménage. Et bien, aujourd'hui, vous serez servis. Alors, aimez la vidéo, commentez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Alors, on va commencer cette vidéo par le bedtime routine des enfants. On a l'habitude de lire et de prier avant qu'ils s'en aillent au lit. Donc, je les avais déjà fait manger, je les ai lavés, ils étaient déjà en pyjama et mon mari venait juste de rentrer du travail. Donc, on va faire la lecture ensemble avec eux. C'était juste très bien. Et ils sont partis au lit à 20h juste. Malheureusement, Josie n'a pas traîné parce que j'ai essayé de la mettre au lit à l'étage. Elle s'est réveillée après 30 à 40 minutes. Elle sera encore avec moi pour un peu de temps et elle pourra aller dormir avant que je ne puisse prendre ma douche. Donc, on va passer juste le temps de qualité en famille. On aime bien ça. Les enfants, ils adorent. Et c'est un temps de communion pour nous. C'est un temps où on discute avec les enfants. C'est un temps où on les accorde vraiment. Même quand mon mari n'est pas là, j'ai l'habitude de les faire seul. Je prends du temps avec les enfants les soirs pour les écouter. Et cela est très important pour nous. Et après notre story time, on fait toujours notre prière en famille. Quand papa est là, on le fait avec lui. S'il n'est pas là, je l'ai fait seul. Mais dès qu'il rentre, il monte à l'étage pour prier aussi à son tour pour les enfants. C'est vraiment une routine qu'on a instaurée pour notre famille et ça nous bénit énormément. Donc, on va finir. J'ai coupé le son parce qu'il y avait Listener Kid qui était en train de jouer à notre Bluetooth. Je n'ai pas voulu deal avec les copyrights. Donc, on a terminé. Là, il était juste temps que les enfants puissent partir. Maman va les accompagner. Mais en attendant, maman va faire sa petite danse juste pour animer un peu la galerie. Voilà. J'aime bien. Donc, ils vont nous embrasser et puis ils iront faire dodo. J'ai terminé à mettre les enfants au lit. Josie ne voulait pas, mais je l'ai forcée. Elle a somnolé. J'ai fui, je suis descendue. Là, j'étais en train de fermer les rideaux de la chambre parentale. Ensuite, je vais aller à la cuisine. Mon mari avait déjà mangé pendant la journée. Moi aussi, j'avais mangé quelque chose pendant la journée. Mais le soir, il voulait que je lui fasse quelque chose qu'il voulait vraiment manger. Il avait envie de manger la viande des chèvres. Et je vais faire une petite sauce rapidement avec la viande des chèvres. On va encore manger parce que pour le soir, je n'avais pas encore mangé lui non plus. Et il était 20h. Je vais faire ça très rapidement pour qu'au plus tard, 21h, on mange et on fait notre routine du soir. Voilà, lui, il a l'habitude d'aller à Planète Fitness après le repas du soir. Et moi, je profite de ce temps-là pour me doucher, prendre soin de moi, voilà. En attendant qu'il revienne de sa salle de sport, il va aussi se laver et puis il sera temps d'aller au lit. Donc, pour la viande des chèvres, j'ai lavé ça correctement plusieurs fois. Ensuite, je vais mettre un peu de jus de citron juste pour bien, bien nettoyer. La
L'assaisonnement était très simple, c'était rien de grave, c'était juste une petite sauce. J'ai mis le bouillon, j'ai mis de l'ail, j'ai mis du paprika, j'ai mis aussi le seafood seasoning parce que j'aime bien le piment là et l'oignon en poudre. Je vais mettre au feu et après quelques 10 à 15 minutes, je viendrai ajouter suffisamment d'eau pour que la viande puisse bien cuire. Donc en attendant que la viande est au feu, je commence directement avec mon ménage du soir, essuyer ce qu'il y a à essuyer, laver les assiettes que j'utilise, donc nettoyer au fur et à mesure pour qu'à la fin que j'ai pas beaucoup de ménage à faire et la maison était juste propre parce que après le repas des enfants j'avais nettoyé le salon. Ma sauce de la viande et chèvre, j'avais mixé les bell peppers avec les oignons, donc c'était glacé. J'ai mixé ça avec mon petit mixeur de Shein. Ensuite, comme tomate, je vais utiliser le spaghetti sauce. J'aime beaucoup ça. C'est juste très bien assaisonné et je voulais pas utiliser des tomates. Je voulais que ça soit très rapide. Donc, j'ai pris une sauce qui était déjà bien assaisonnée. La viande, elle était assaisonnée et le spaghetti sauce, juste très bien assaisonné. Je vais mélanger avec le mix des bell peppers et les oignons que j'ai écrasés avec mon petit mixeur. Et je vais faire rapidement la petite sauce. Vous allez voir, c'était très bon. Vous allez voir de près, la sauce, elle était juste très très bonne. Donc, parfois, vous n'êtes pas obligé d'utiliser seulement des tomates fraîches. Découvrez les sauces, essayez des nouvelles sauces au store et vous allez voir que votre cuisine ne sera pas, ne ressemblera pas à la même chose tous les jours. Moi, j'aime vraiment varier. Donc, et ça fait vraiment du bien. J'ai goûté la viande. C'était devenu tendre après 45 minutes. Mais j'avais mis un feu fort parce que je ne voulais pas que ça traîne. Donc, j'ai mélangé ma viande à la sauce. Mais avant de mélanger, j'avais diminué un peu l'eau parce que j'avais trouvé que c'était beaucoup. Et je pourrais ajouter au fur et à mesure au besoin. Donc, le bouillon qui est sorti de ma viande, j'ai réservé et j'ai ajouté au fur et à mesure pour que la quantité soit vraiment équilibrée. Je ne voulais pas que ça soit comme la soupe. Je voulais que ça soit comme une sauce bloquée. Voilà. À quoi ressemblait la petite sauce de ma viande et chèvre. C'était très bon. C'était juste très très bon. On a très bien mangé et Josie s'est réveillée. J'essaie de lui donner. Elle n'a pas voulu parce qu'elle était juste rassasiée. Elle avait juste besoin de moi. Donc je vais manger. Je vais passer un peu de temps avec elle. Quand elle va dormir, je vais aller prendre ma douche. Thank you.
le repas, moi je vais m'occuper de Josie. Il fallait que je la fasse dormir. Je vais juste mettre le reste de nourriture dans les bols, mettre au frigo et mon mari va m'aider avec la vaisselle. Moi je passerai juste l'aspirateur après lui. Donc voilà, quand mon mari m'aide comme ça me permet aussi d'être juste en avance et d'aller aussi au lit à temps. Donc si votre mari ne vous aide pas, faites-lui comprendre tout doucement. Moi, quand je me suis nouvellement mariée, mon mari ne touchait à rien. Donc quand il terminait de manger, il s'est levé et je devais débarrasser, tout faire. Et lui était juste assis. Mais juste en dialoguant, en parlant avec lui, je lui fais comprendre que je ne suis pas une superwoman. J'ai besoin de son aide et tout. Dans le respect, vous l'abordez avec respect. Vous lui faites comprendre que vous avez besoin de son aide. Et vous allez voir que ça va marcher. Votre mari va commencer à vous aider. Moi, mon mari m'aide beaucoup. Donc parfois, vous croyez que je fais tout seul. Parfois, c'est vraiment son apport et son aide qui me permet d'être encore forte. Donc, je dis merci à mon mari de m'avoir aidée avec la vaisselle. Donc, moi, j'ai juste essuyé après lui les comptoirs et je vais passer l'aspirateur. Précédente, j'ai déballé, je vous ai parlé de mon tout nouveau aspirateur Ultenic U12 Vesla. C'est sans fil, un très bon aspirateur. Comme vous pouvez voir sur les images, ça fait du très bon boulot. L'aspirateur est actuellement en promotion. Le prix original, c'était 199,99. Donc, mais il se vend actuellement à uniquement 119,99. Donc, vous devez utiliser le coupon qui vous donne moins 40 $ et plus mon code promo Joyce U12, donc vous aurez moins 80 $ et le prix final sera simplement 119,99. Donc profitez de la promotion, prenez cet aspirateur, il est tellement top, vous allez l'adorer, profitez de l'offre. Il se vend à 119 $ et je vais vous laisser le lien dans la description. Cliquez tout simplement, appliquez mon code promo Joyce U12. Sorti pour la salle de sport et moi je vais profiter pour prendre soin de moi. Ça, c'est mon temps et j'adore. J'utilise le nettoyant visage de la marque CeraVe et pour mon hygiène intime, c'est ça que j'utilise. J'aime beaucoup et ça me fait beaucoup de bien. Pour le gel de douche, j'utilise n'importe quoi. Donc, tant que ça va pas toucher à mon visage, c'est bon. Pour le gommage aussi, je prends n'importe quel gommage au store, mais pour ce jour-là, j'avais utilisé le gommage de VL Cosmetic. Donc, je vais arrêter avec la caméra pour me laver parce que là, c'était juste des séquences que je prenais pour vous. Hein. J'étais habillée, bien sûr. Après ma douche, je vais me brosser, appliquer la lotion et je vais aller à la cuisine pour faire mon petit pot pourri pour juste parfumer la maison comme je venais de cuisiner. Et puis, je vais me faire un thé et je vais relaxer.
Et pour parfumer la maison, naturellement, dans ma casserole, je vais bouillir le citron, la pomme, les clous de girofle avec un peu de la cannelle. Et ça sentait juste très bon. Les lumières éteintes, la maison était juste cozy, cozy, cozy. Je vais me faire un thé et puis je vais aller m'allonger côté salon. J'étais en train de suivre les témoignages. Oui, j'étais en train de suivre les témoignages et puis je vais causer un peu avec ma maman. Et puis je vais plier un peu de linge, pas beaucoup, juste un peu que j'avais. Donc, c'est presque la fin de notre vidéo. Je crois qu'elle vous a plu. Je crois qu'elle vous a vraiment fait plaisir. Surtout les personnes qui demandaient d'autres styles de vidéos. Je crois que vous avez été servis. Je vous aime beaucoup et je vais vous retrouver dans ma prochaine vidéo.